Avec le retour de Sidi Keita et non des moindres en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3 dans une position défavorable. Mais bon, vous savez, on a de tout actuellement. Oui, c'est la grosse surprise du jour parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il soit là et ça ne sera plus. L'un peut entrevoir les huitièmes de finale, l'autre s'offrir un gardien de hand ou alors du style d'un joueur de volley. La réponse peut-être des Nigérians avec Classique, bien sûr, c'est le retour de Naby Keita qui attire toutes les attentions dans cette équipe. Oh, la possibilité, on s'est bien joué ce crochet, ouais. Ce centre ensuite. Et la frappe d'Iwobi qui va tenter vers Kaba. Chercher Sidi Keita qui commet la faute. Faute sur Wilfried Ndidi. Il était bien organisé, pouvait répondre rapidement à une pression adverse. Les joueurs de côté, puis si vous gagnez le tirage au sort, vous faisiez changer de côté votre adversaire. On a Traoré qui a voulu récupérer ce ballon, la frappe et la première tentative avec la première frappe puissante de la part des Guinéens. Avec ce petit passement de jambe pour essayer de rentrer et l'intervention. Oui, Ibrahima Traoré qui s'est amusé aussi avec l'arbitre des Carvalho qui a laissé filer ce ballon. Les joueurs qui peuvent faire la différence, un marquage particulier quand les Guinéens ont le ballon en phase offensive. On va regarder ça et on va vérifier un petit peu des cousus. Même si je trouve que là, ça se rééquilibre un tout petit peu quand même. Ballon repris par le joueur de l'Eintra Francfort. Simon Fallet est derrière le petit geste de François Cabano qui se fait accrocher par le joueur devant l'Afrique du Sud. Les 7 buts d'Igalo qui était le meilleur buteur des éliminatoires. Bon, il faut que Cabano aussi se montre un peu plus. Attention à cette frappe qui a passé au-dessus. Voilà, qu'on puisse le trouver qui est plus de mouvement tout simplement dans cette. Avec Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, un centre-pied gauche, va tenir un corner. Les joueurs nigérians qui ont fait une grève. Ça c'est bien fait. Oh, la faute. Ah, il y a faute. Oui, l'obstruction. Il a attendu Monsieur De Carvalho pour siffler. Ici Agassila qui est au sol. Simon qui est aussi juste. Mais c'est pour Kamano qui va frapper. Et ça va passer juste derrière le but de Daniel Akpeyi. Voici un avertissement concret pour jouer vers Aina. La frappe d'Aina, passeur décisif. Et l'arrêt en deux temps d'Ibrahim Koné, testé pour la première fois concrètement. No, qui va effectuer cette touche longue, très longue, avec une tête placée par Wilfred Ndidi. On était. C'est le quatrième tir de la Guinée. Contre aucun pour le Nigeria. Au marquage, à l'image Diawara encore, qui n'était pas loin de faire faute. Là, cette fois-ci, il y a faute. Et ça sera le premier carton du match à l'encontre de Simon Fallet. Ça sera un jaune. Si tu veux même me le donner, la chasuble, je la prends. Moses Simon pour jouer ce coup franc. Balogun était. Kamano avec Issi Agassila dans la profondeur, c'est bien joué vers Keitan. Attention, on va laisser jouer ce ballon dans la profondeur pour Igalo. Igalo, non, il va placer ce ballon dans le petit filet. Il y avait deux solutions pour lui. La première, celle de frapper. L'autre, c'était de trouver une solution. Non, non, précipitation. Bien par là, je pense que ça va le faire. Dommage pour Naby Keita face. Et ça donne un coup franc pour Ibrahima Traoré, passeur décisif lors de la première journée. Et là, ce n'est pas une Chiefs. Mais on sait que le recordman de sélection au Nigeria, c'est Vincent Enyama. C'était trop profond. À suivre donc pour les Nigérians. Koné qui était un petit peu sorti à l'abordage, qui a vu ce ballon passer juste derrière lui. Le fait aussi qu'Awaziem reprenne ce ballon de la tête, c'est aussi qu'Ibrahim Koné n'a pas non plus très bien apprécié. Un petit peu d'aider à faire des décalages. Simon qui. Bien joué avec Iwobi. Iwobi, la frappe d'Iwobi. Oui. Et la première intervention décisive d'Ibrahim Koné, en tout cas la plus nette depuis le début de la rampe. Seka pour trouver personne, si ce n'est la tête de Balogun. Cette ouverture, elle est également très. Avec cette équipe de Francfort, Simon Fallet. Ou la possibilité peut-être de frapper de loin et enfin de mettre. Eh bien. Techniquement, désolé d'insister là-dessus, mais on est vraiment avec du déchet. Ibrahim Koné.
que la qualité. Parce que là, on est vraiment hors sujet de part et d'autre, mais ça peut peut-être permettre à Ibrahima Traoré de mettre un ballon dans la surface et finalement... Certaine sérénité sur le plan technique, parce que trop de mauvais temps, pas. Temps, pied droit, ouais. À Wasiami court, le ballon a récupéré par Camano qui va les défier, qui aime bien ce... Fallette, le temps additionnel affiché. Pont levé, qui passe au-dessus. La différence, qui pousse trop son ballon. L'arbitre qui a laissé l'avantage. Ibrahima Traoré qui prend sa chance. Une prise de profondeur et on n'a rien de tout ça. Aina qui s'appuie sur Iwobi. Iwobi qui essaye de reballe. Iwobi, c'est pas un cadeau cette balle. Et ce ballon tenté du côté de... Pour le reste, pas grand-chose. 0-0. Non, pas grand-chose. Beaucoup trop de déchets techniques. Arrivé en août 2017 hein, du côté de Liverpool. Avec Iwobi, le centre d'Iwobi et ce ballon sur Kenneth Omeruo, le joueur de Leganés. Omeruo dans la profondeur. Minute de jeu, tiens, on est toujours à 0-0. Finalement, un point, c'est pas... Voyez, sur votre droite, Mikel Di Restam. Voilà, très très bien défendu de la part de Di Restam. Chez Odion Ighalo, c'est chaque perte de balle peut être coupable. Ah, ouais. On a indéniablement échangé avec Issa Gassila. On va progresser. Le centre, et c'est capté par Ibrahim Koné. Voilà enfin une possibilité nette pour l'une ou l'autre est disponible. La Oisième qui rejoue vers Simon. Le ballon dégagé par Issa Gassila. Iwobi. Diawara en retrait, oui. Avec Cissé. Ah dommage, c'est trop long. C'est trop long pour Ibrahima Traoré. Attention, c'est un bien ballon, ouais. On va bien jouer, qui transperce. Camano qui va placer une frappe, qui passera à côté. Il avait alerté tout à l'heure dans le premier acte. Appuyé sur Armen Moussa. Moussa, le capitaine du Nigeria qui cherchait la profondeur. C'est Camano qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps. François Camano dans un petit trou de souris. Iwobi. La frappe d'Iwobi, hey, bien joué. De la part d'Iwobi, bien joué aussi Ibrahima Koné pour cet envolé. Ça se réveille depuis quelques minutes. Koné, la vitesse, il a les jambes, le Girondin. François Camano, mais il est esselé. Il n'y a pas grand monde, mais il va obtenir intelligemment. Ibrahima Traoré est souvent juste sur ce coup franc. À pied gauche, il fallait être un pain. Jazé du côté de la Guinée. Et on sent bien que Nabiké passer l'heure de jeu, de le sortir, d'amener du sang frais pour que la Guinée puisse repartir de l'avant. Et Ernest Seka pour son carton. Ouais, exactement. Ernest Seka qui a pris un carton jaune, vous savez. C'est pour Etebo, c'est dévié par le mur et c'est détourné des points par Ibrahim Koné qui sort son cinquième arrêt du match. Pas de risque. Et Madagascar vient à s'imposer face... Eh bien, au Burundi, tension dans son dos, Keita, il a un petit peu de mal à résister. Moussa pour un centre, et Gallo, c'est à côté. Ouais. Mais pas encore officiel. Mais là, par contre, ce qui est officiel, c'est la faute de Wilfred Ndidi. Nigeria va faire la différence. Moussa qui lève la tête. Aïe, 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 aïe. Tout à l'heure, c'est Ighalo qui avait oublié Moussa. Cette fois-ci, c'est Moussa qui n'a pas forcément oublié Ighalo, mais qui n'a pas fait une passe. Là, c'est Alassane Bangoura qui va rentrer. Donc, teaser à Nabi Keita. Non, non, ça va être pour Mikel Di Restam. Dans ce second acte, Simon. Avec Iwobi qui prend sa chance. Vous connaissez bien parce qu'il a évolué notamment à la FC ou encore à Béziers. Attention, repris au premier poteau et qui permet au Nigeria de faire la différence avec un but de Kenneth Omeruo, le joueur de Leganés prêté par Chelsea sur corner. La Guinée n'était pas forcément concentrée, eu égard sans doute à ce changement. Le Nigeria en a profité et pour le moment entrevoit plus que jamais sur ce changement orchestré sur ce corner pour venir punir la Guinée. Et là forcément côté avec Moses, les passements de jambes de Moses, le centre ensuite tenté par Aouazième, ça va filer en sortie de but. Forcément peut-être qu'il y a des matchs où on aimerait se montrer un peu plus. Iwobi a été un petit peu en deçà de période. Le centre d'Amadou Diawara.
Ouais, et puis il a fait un bon match aussi. Ouais. Bon courage pour un centre qui ne donnera rien.